And here's a story about being free. On est ici à la Maison Autonome et on va faire notre cinquième éco-festival. On attend certainement plus de 5000 personnes parce que la dernière fois on en a eu 5000. On va fêter nos 10 ans d'autonomie en énergie électrique, c'est-à-dire que depuis 10 ans on ne paye plus de factures d'électricité, depuis 30 ans on ne paye plus de factures d'eau. On a vécu assis sur un seul demi-salaire parce qu'on essaye d'inventer une nouvelle forme d'économie non marchande. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent, mais avec peu d'argent, on peut vivre correctement. L'idée, c'est de proposer un autre mode de vie qui va dans le sens du respect de la planète, mais ça demande beaucoup d'investissement pour chacun des Français et des Européens, parce qu'il n'y a que 18% de la planète qui consomme 80% des richesses, et donc il va falloir diviser par deux ou par trois nos consommations. Mais ce qui est important, c'est qu'on le fait avec plaisir et qu'il faut arrêter de croire que richesse égale bonheur d'une manière systématique. Par conséquent, nous, on propose un autre mode de vie, une autre mode d'utiliser l'énergie, une autre mode de produire l'énergie, une autre mode de construction avec de la terre, de la paille, du solaire passif, une autre mode de gérer l'eau, pas 15 litres d'eau pour notre petit pipi, récupérer les eaux pluviales et la potabiliser, à manger sur un jardin avec 400 mètres carrés, on mange à 40 à 50% de notre nourriture, avec de la nourriture vivante. On a reçu 60 à 70 000 personnes depuis 10 ans, notamment les gens de la DDE, les gens de la DAS, des politiques, des administrations, beaucoup de gens qui cherchent à vivre autrement, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit d'ailleurs, sauf qu'ils ignorent qu'ils existent, mais il y a au moins 15 à 20% de gens qui ont envie de vivre vraiment autrement. Voilà, alors on va essayer d'aider avec 150 exposants, enfin plus que ça même, on va essayer de mettre en relation les gens qui veulent vivre autrement et ceux qui proposent des installateurs, des photopiles, des chauffe-eau solaires, des éoliennes, des systèmes de construction, des maîtres d'œuvre. Il y aura beaucoup de littérature aussi. Et puis bien sûr, il y aura le spectacle avec les célèbres Sagarnaga de Moi dans la rivière et la compagnie Cosmos sur Soudan. D'un beau spectacle sur Échasse, il y aura de la musique vivante. On fait une université d'été d'un très haut niveau, on fait venir des gens de stature européenne pour parler de la gestion de l'eau, pour parler des nouvelles entreprises qui se créent, pour parler de l'autonomie, pour parler de la politique au sens noble du terme. Et il y aura à la fois des beaux intervenants et des superbes échanges dans la salle. Pour 5 euros, vous avez un forfait de 2 jours. Si vous voulez assister à la conférence, c'est 5 euros. Donc pour 10 euros, vous faites tout. Le souhait, eh bien, c'est de faire ce qui se passe là, mais en grand. On est en train de préparer un super film qui passera dans toutes les salles de cinéma françaises. Et sans doute à la télévision.